Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce soir parce qu'il est tard, il est quelle heure? Il est 21h52, je me pose seulement pour vous filmer cette vidéo parce que je ne trouve pas le temps en journée, mes journées sont bien chargées, donc je n'ai pas le temps de vous filmer en pleine journée, je suis vraiment désolée, donc du coup, rebelote pour la luminosité, ça va pas être super. Mais je reviens ce soir pour vous filmer le haul des vêtements des enfants. Donc ça va beaucoup intéresser les parents qui me regardent. Ce sont des vêtements que vous pouvez retrouver actuellement en magasin. Donc c'est pas des anciennes collections, c'est ce qu'il y a actuellement en ce moment. Donc il y a ma petite puce que vous allez entendre parfois parce que c'est papa qui la gère. Et puis là, comme vous venez de voir apparaître, il y a Pistache aussi qui aime bien taper l'incruste dans la vidéo. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais séparer, je vais commencer par mon fils, tout ce que nous avons acheté pour notre fils, et en second temps, à tes souhaits, ma chérie. et en second temps, tout ce que j'ai acheté pour Lila. Alors, chez Primark, j'ai acheté qu'un seul article, car je trouve que pour les petits garçons, il n'y a pas beaucoup de choix, contrairement aux filles. Donc, mon chéri est tombé sur ce petit ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien voir du coup. C'est une chemise grise. C'est pas du jean. Enfin, c'est une... enfin, quoi que si on pourrait, si c'est du jean. C'est une chemise en jean grise avec un petit t-shirt avec qui était vendu. C'est l'ensemble. Un petit t-shirt blanc avec des petites étoiles noires. Et l'ensemble nous a coûté 9 euros. Oh, je vais pas prendre le temps de vous montrer chaque étiquette, mais bon, voilà, 9 euros. Pour cet article-là, c'est tout ce que j'ai acheté chez Primark pour mon fils. Passé à H&M, j'ai pas acheté non plus beaucoup à H&M, mais je vais vous montrer ce qu'on a pris. Alors, pour commencer, chez H&M, j'ai déjà pris, je lui ai pris un lot de paires de chaussettes. Donc là, il en manque une parce qu'il y en avait trois. Au prix de 4,99 €, et ce sont des chaussettes anti-dérapantes. Voilà, de toute façon, là, vous voyez bien. Parce que nous, on n'est pas une famille à chaussons, sauf ceux que j'ai achetés chez Primark, comme vous avez vu dans mon précédent haul. Mais ce sont des chaussons sans lettres, en fait, parce qu'ils sont très souples. On dirait plus des chaussettes antidérapantes, pour le coup. On n'est pas très chaussons. Et c'est vrai que là, maintenant, ça commence un peu à se rafraîchir. Et mon fils n'étant pas habitué à mettre des chaussons, voilà. Donc, on l'a habitué aux chaussettes antidérapantes. Elles sont noires, elles sont sobres. C'est nickel. On lui a pris un jean noir. Voilà. Un jean noir. Voilà, comme ceci, avec les petites poches derrière. Il est bien parce qu'il est stretch. Et donc, il nous a coûté 12,99 €. Voilà. En fait, on habille un petit peu Enzo comme son papa. On n'est pas trop vêtements Mickey, Cars, pas de patrouille ou je ne sais trop quoi. Après, c'est question de goût, c'est un choix. On aime l'habiller de façon classique, on va dire. Voilà. Et comme son papa. Donc, ensuite, pour continuer, on lui a pris un petit pantalon comme ceci, un peu chino. Couleur, c'est un peu vert kaki. Il est joli comme tout, avec ceinture ajustable. Voilà, pour celles qui se posent la question. Et il nous a coûté 9,99 €, avec une petite poche à l'arrière. Franchement, ce pantalon-là, il est vraiment à croquer, quoi. Il va être trop mignon dedans, mon petit cœur. Ensuite, toujours chez H&M, hein, je vous le précise de toute façon, on lui a pris ce petit cardigan, ce petit gilet comme ça. Pff, on a craqué. De toute façon, avec mon homme, on a les mêmes goûts niveau vestimentaire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Avec deux poches à l'avant, des petits boutons marron, un peu effet bois. Il est un petit peu en doublure polaire comme ça, donc pour la demi-saison, c'est nickel. Et il nous a coûté... Combien il nous a coûté celui-ci? Ah, 14,99 €. Voilà. Donc ça fait une belle pièce dans son armoire, un joli gilet à avoir. Et pour terminer avec H&M, ça c'est moi qui ai tombé dessus et j'ai littéralement craqué. C'est un body, comme vous pouvez le constater. Hop, c'est un petit body avec un peu effet chemise, avec les petites manches comme ça. Enfin, j'ai craqué. Hein. Donc il est rayé, alors je sais pas si... Voilà, il est bleu, bleu et blanc et avec... voilà, des petits détails marron, couleur camel plutôt.
avec les petits boutons juste ici. Et il nous a coûté 7,99€. Pour H&M, c'est terminé. Ensuite, là, on va passer au plus gros, chez Kiabi. Chez Kiabi, on lui a pris ce petit pull-là, trop choupinou, où il y a écrit Smile. Voilà. Alors, il est un peu couleur, je dirais moutarde. Parce que là, du coup, les couleurs, elles ressortent pas bien. Et il a coûté 8€. Voilà. Ensuite, on lui a pris cette petite chemise-ci, mignonne comme tout, un peu quadrillée. Donc, elle est... c'est un bleu gris, hein, bleu gris blanc et avec des couleurs un peu jaunes dedans, des petites rayures jaunes avec deux poches sur les côtés. Voilà, celle-ci nous a coûté 10€. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Petite chemise toute sympatoche qui va avec tout, qui s'accommode avec tout. C'est parfait. Ensuite, on lui a pris un lot de combien ? 5. 5 body manches longues. On n'a jamais assez de body. Au prix de 7€, donc là franchement ça valait le coup. Alors ils sont pas super épais, mais mis sous un pyjama en velours un peu, enfin bien épais pour le coup, enfin ça fait l'affaire, hein. Donc un lot de 5 body. Mais non, il est pas revenu. Ah, il est revenu encore l'autre. Il est revenu le chat. Il est là, il marque pistache. Alors ensuite, j'ai repris également des lots. Je suis désolée si vous entendez mon chat miauler, c'est parce qu'il y a un autre chat qui est venu dans notre jardin. Et donc monsieur n'est pas content. Voilà, il est en train de péter un plomb. Donc là, si vous le voyez passer, c'est parce qu'il n'est pas content. Bon là, niveau pointure de pied, franchement, ça s'est envolé niveau pointure. Il a vachement grandi des pieds. Donc là, je lui ai refait un stock de chaussettes. Alors du coup, j'ai pris ce lot de paires de chaussettes. Donc là, il y en a 5. C'est dans les tons. Bleu marine, marron, beige, voilà, avec les petits détails un peu, je sais pas si c'est chat ou renard, voilà. Mignon comme tout. Là, ce lot m'a coûté 6€, donc il y en a 5. C'était pas donné, mais bon, elles sont jolies. Et là, j'ai repris un lot de 5. Je suis désolée, hein, si vous entendez ma puce pleurer, là, c'est vraiment, elle est fatiguée. Je disais... Donc un autre lot de 5 paires de chaussettes, il y a 3 bleues et une grise et une beige, blanc cassé plutôt, c'est pas beige, à 2,50€. Elles étaient moins chères mais bon, elles sont plus sobres et plus simples. On lui a pris ce petit gilet pull parce qu'en fait il est super épais avec les petites oreilles ici, trop choupinou, couleur beige pour le coup. Il existe en plusieurs coloris. Hein. Donc voilà, comme ceci. Alors celui-là il a coûté un petit peu plus cher, mais bon il est épais et je me dis pour la demi-saison c'est nickel. Il nous a coûté 18€. Voilà, toujours à Kiabi, hein. De toute façon là on termine avec Kiabi pour Enzo. Pour terminer le haul, on lui a refait le plein de pyjamas. Pour celles qui savent, Kiabi c'est vous achetez 2 pyjamas, le troisième est offert. Donc bah, forcément on en a profité. De toute façon, voilà, de toute façon c'est marqué là, un troisième gratuit. Donc on lui a pris celui-ci en couleur un peu vert jaune. Voilà, avec le petit panda. On lui a pris donc ce petit pyjama là, gris, avec un petit ours là juste devant. Alors on lui a refait plein de pyjamas. Hein. Donc on a pris, j'ai pris les plus beaux. Ensuite on lui a pris celui-ci. Alors celui-ci c'était pas un offert, c'était pas deux achetés, un gratuit. Parce que ceux-là ils étaient au prix de 4€. Ceux où vous en avez deux achetés, un gratuit, c'est sur les pyjamas qui coûtent 10€ pièce. Celui-ci coûtait 4€. Et donc il y a écrit quoi? Mini costaud comme papa, on l'a trouvé chou comme tout. Couleur bleue, voilà. Ça paraît immense. Qu'est-ce qu'il a grandi, ça grandit trop vite. Ensuite, celui-ci faisait partie de ceux à 10€. Donc, il est couleur beige. Beige marronné avec un petit lapin devant. Mignon comme tout aussi également. Voilà. On lui a pris... Celui-ci, c'était un à 4€. Un gris avec un petit chat devant. Voilà. Je me dépêche, hein. Je ne voudrais pas que le haul dure 3 plombes. Et on lui a pris également celui-là. Et celui-là, il était à 4€ aussi. Pas le coup de s'en priver. Alors là, vous ne voyez pas du tout la couleur. Mais alors, vraiment pas. C'est un genre de vert d'eau. Voilà, c'est couleur vert d'eau. Comme ceci. Donc là,
Donc là, pour mon fils, c'est terminé. On l'a bien habillé pour cet hiver. Bon, il manquera 2-3 bricoles. On lui a racheté aussi également 2 paires de chaussures. Donc là, on va passer directement ce qu'on a acheté pour Lila. Pour Lila, chez Primark, il y avait quand même plus de choix, mais je me suis limitée parce que j'avais déjà acheté chez Kiabi. Donc finalement, il lui manquait pas grand-chose. C'est vraiment des petits coups de cœur et des craquages de dernière minute. Alors pour commencer, je lui ai pris cette petite blouse trop choupinouinou, couleur un peu, vous voyez pas bien, c'est un peu couleur rose poudré, je vais y arriver, et c'est tard, il est tard, hein, donc c'est pour ça, donc rose poudré, vous voyez avec les petits détails de broderie juste là à l'avant, et donc ce petit haut, ce petit chemisier, ça a coûté 7€. À Primark, hein, je précise. À Primark, j'ai juste racheté 2 petites paires de chaussures. Alors, c'est pas des chaussures de marche, hein, moi j'appelle ça des chaussures de décoration. C'est pas pour qu'elle marche avec, hein, clairement. Donc, je lui ai pris ces petites bottes. Trop mignonnes. Un peu style hug. Voilà. Bien fourrées à l'intérieur. Elles étaient au prix de 5€. Vous voyez. En rose poudré avec des petits décœurs. Alors là, vous voyez pas les détails. Mais c'est des petits cœurs argentés. Voilà. Et pour terminer, chez Primark, j'ai craqué littéralement sur cette petite paire de baskets. Elles étaient trop mignonnes. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Toujours au prix de 5€. Toutes les paires de chaussures à Primark étaient à 5€. Donc, elles sont comme ça, avec un petit... Comme ceci, pardon. Couleur... Alors, ici, c'est vert d'eau avec des paillettes. Et là, c'est couleur rose pailletée aussi. Avec un effet pastèque. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, voilà. Pour Primark, on va passer ensuite à Kiabi pour terminer. Donc, chez Kiabi, il a fallu que je lui achète une combinaison parce que j'allais pas lui remettre celle de son frère parce qu'elle faisait vraiment garçon. Je voulais vraiment qu'elle ait sa petite combinaison de fille. Donc, je lui ai acheté cette petite combinaison-là avec... Les petites oreilles d'ourson, trop mignon comme tout. Alors c'est un effet, vous voyez, voilà, vous voyez bien. C'est une matière toute douce, un peu matelassée comme ça. Donc c'est vraiment une combi pilote, voilà. Avec les pieds bien cachés, les mains bien protégées également. Couleur rose poudrée et elle était au prix de 25€. Voilà, donc comme ça au moins elle est parée pour cet hiver. Il y avait une offre en fait, c'était un acheté, deux offerts. Donc c'était sur une sélection parce que ça c'était sur le site internet, j'ai pas précisé mais c'est ce que j'ai commandé sur le site internet. Donc du coup je lui ai pris ces petits shorts-ci. Alors ok, l'été est fini mais je compte lui mettre avec des collants en laine et des petites bottes, enfin je trouve ça mignon. Donc je lui ai pris ce petit short-ci, voilà, qui était au prix de 7€, mais du coup c'était un acheté et les deux autres que je vais vous montrer étaient gratuits, donc ça valait le coup. Donc je lui ai pris aussi le même également en couleur rouge, voilà, et je lui ai pris également celui-là, trop mignon, couleur bleu marine, vous voyez, bleu marine avec la petite ceinture, vraiment je l'ai trouvé, vraiment ce short là je l'ai trouvé adorable, je vous dis, avec des petits collants et tout, elle va être trop mignonne avec. Ensuite, bah, ça va de soi, je lui ai repris une paire de collants, donc là ils étaient à 3€, basique, hein, tout noir, voilà. Et ensuite, pour terminer, pareil, je lui ai refait le plein de pyjamas. Donc, je lui ai pris celui-ci, qui était au prix de 10€. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, je lui avais acheté en un mois. Elle l'avait mis à la maternité, mais elle a grandi tellement vite, ma pupus, que ce pyjama-là, elle l'a mis que 2 fois. Et je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit, bon, bah tant pis, je le rachète en plus grand. Donc, voilà, avec le petit détail. Et puis, j'ai bien aimé la petite souris, là, juste derrière. Et là, il est couleur beige. Non, pas beige, il est... Qu'est-ce que j'ai avec cette couleur-là? Et couleur blanc cassé. Voilà. Ensuite, j'ai pris également celui-ci. Tout rose. Un rose un peu plus soutenu. Avec le petit détail ici. Il y a écrit quoi? La vie, c'est joli. Avec un petit cœur brodé couleur dorée. Voilà. Au prix de 9€. Et donc là, il y avait l'offre de acheter un gratuit. Voilà. Je lui ai pris également celui-ci, pour la petite anecdote, celui-ci aussi je lui avais pris en un mois et elle ne l'a mis qu'une fois, je vous jure. Elle l'a mis qu'une seule fois. En fait, quand ma fille elle est née, elle est tombée dans la période où il faisait très très chaud. Du coup, elle était tout le temps body, donc je lui ai très peu mis ses pyjamas finalement. Et je l'ai trouvé tellement beau avec les ananas là.
bah, que j'ai voulu lui racheter en plus grand. Donc voilà, au prix de 9 euros. Mais bon, du coup, comme je vous ai dit, c'était deux achetés, un offert. Donc il est couleur fuchsia, rose fuchsia. Et il s'ouvre devant. Non, pas celui-ci. Celui-ci, c'est à l'arrière. Voilà. Hop. Et pour terminer avec ce haul, je lui ai pris celui-ci qui est couleur... je sais pas trop, c'est un peu un orangé, rose orangé on va dire, ouais, un peu rose orangé, couleur pêche, voilà, on va dire couleur pêche, avec un petit chat qui dort, voilà. Voilà, voilà, toujours au prix de 9 euros. Je vous ai tout montré. Oui, ça y est, c'est fini. Écoutez, je suis désolée pour cette vidéo, la luminosité n'est pas terrible, il y a des petits, enfin voilà, elle n'était pas parfaite. Mais il fallait absolument que je vous filme tout cela pour que je puisse laver les vêtements, hein, et afin qu'ils puissent les porter surtout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées aussi, hein, parce qu'on sait qu'à la rentrée, les parents en général, c'est là où ils refont les garde-robes des loulous, donc des fois que vous y ait des articles qui vous aient plu, vous pouvez les retrouver actuellement en magasin. Et puis bah voilà, je vais vous laisser ici en espérant que vous allez tous très bien. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.